Jean-Daniel, bonjour, si je te dis Perpignan. Oui, mon lieu de naissance. Ouais. Là où j'ai commencé, à jouer au foot en débutant. En débutant, j'étais gardien, joueur, j'ai un peu tout fait avant de partir de Perpignan à l'âge de 7 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a justement décidé à jouer gardien? Tu avais quelqu'un de référence? Non, en fait, quand je suis arrivé à Martigues, en Poussin, il n'y avait pas de gardien. Et comme j'étais le plus grand, bon, mais comme ça se fait souvent, on a décidé de me mettre au cage. Et puis du coup, j'ai aimé ça. Et de suite, après, bon, j'ai continué. Quoi. Depuis Poussin, première année, je suis au gardien. Ensuite, tu as poursuivi ton cursus à Martigues. Martigues, alors ouais, du coup, là, j'étais à Martigues, j'ai fait toute ma formation à Martigues, donc de Poussin jusqu'à avoir la chance de jouer en pro et jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'étais au centre de formation tout en étant chez moi, tout en habitant chez ma mère. Je faisais partie du centre de formation, donc j'avais les mêmes avantages et les mêmes contraintes. C'était à l'époque un bon centre de formation, le club était en Ligue 1, tout ça, donc c'est vrai que c'était quand même une référence. C'est là que tu signes ton premier contrat pro. Oui, alors en fait, voilà, j'ai eu la chance que ma mère accepte, parce que j'avais 17 ans. Donc du coup, ils ont demandé à ma mère directement de savoir si elle était d'accord que je passe deuxième gardien en D2 à l'époque, alors que j'étais encore moins de 17 ans. Donc voilà, ils ont demandé si j'étais d'accord, si elle était d'accord. Et par chance, donc, ils m'ont donné simplement 5 minutes. Moi, j'entendais dans le couloir. Ouais, en 5 minutes, c'est ou l'école ou le contrat. Alors à l'époque, j'étais en contrat espoir. J'avais signé un contrat espoir en étant deuxième gardien. Alors que l'année d'avant, je jouais simplement un match sur deux en moins de 17 ans, comme ça se fait souvent en formation. Je faisais la gambardella. Et donc, elle a eu la gentillesse de dire le foot. Et du coup, c'est comme ça qu'en 5 minutes, je me suis retrouvé deuxième gardien en D2. Quoi. Alors, 3 ans à Martigues, donc en pro, et tu arrives à Nice en 2000. Voilà, ouais, en fait, alors j'ai fait ma première année en pro où je fais une quinzaine de matchs en D2. C'était la Super D2 à l'époque, il y avait 22 clubs. Là, on descend en National. Et donc, bon, il y a un peu une restructuration de pas mal de choses. Et j'ai eu des contacts pour repartir parce que j'étais convoqué aussi en équipe de France Espoir à cette époque-là et tout. Alors que moi, bon, je ne connaissais pas du tout ce milieu. Enfin, à part l'équipe de Provence, je n'avais jamais été même en équipe de Méditerranée ou jamais en équipe de France de jeunes ou quoi que ce soit. Et je me retrouve en équipe de France Espoir. Bon, voilà. Et du coup, j'avais des opportunités pour partir, mais j'ai pas voulu. Je voulais rester à Martigues. Mon club, pour faire une année complète en national. Donc j'avais eu des contacts, que ce soit à Bordeaux, que ce soit voilà, des choses comme ça, mais j'ai tout refusé pour rester. Donc j'ai fait une saison, ça s'est bien passé. Par contre, en fin de saison, j'avais décidé de vouloir partir. Donc c'est à cette époque-là que j'ai signé j'étais en équipe de France Espoir aussi en même temps quand j'étais à Martigues. Et à cette époque-là, donc, j'ai fait le tournoi de Toulon. Et je signe donc à Nice pour 5 ans, mais Nice me reprête un an à Martigues. Parce qu'en fait, le club avait la mission de remonter. Donc du coup, je re-signe. Donc je signe à Nice 5 ans et je suis prêté une année à Martigues pour la dernière année 99-2000, où on finit par monter en Ligue 2 à la fin de cette saison-là. Ouais. Tu te retrouves à Nice avec Bruno Valencourt. Voilà, je me retrouve à Nice avec Bruno. Et où on passe vraiment des super moments. En D2, là, la première année, je fais une dizaine de matchs, c'est lui qui avait fait, moi j'ai fait tous la fin de saison. Et l'année d'après, l'année où on monte en Ligue 1, moi je fais tous les débuts de saison, je fais une vingtaine de matchs. Et lui fait la deuxième partie de saison, mais on s'est toujours très bien entendu, il y a toujours eu de bons rapports et beaucoup de respect entre nous. Et du coup on a fait la montée en Ligue 1, on va dire, tous les deux. Quoi. Alors justement, Bruno a rejoint la Corse et je te propose de l'écouter. Alors Bruno, comment s'est fait la rencontre avec Pado? Elle s'est faite naturellement. Hein. Il est arrivé pour compléter l'effectif à Nice. Et c'est un jeune gardien fougueux qui est arrivé de Martigues. Et ça s'est très bien passé. On l'a bien accueilli et on est parti donc sur ces 3 années ensemble. Il y a eu une concurrence saine, comme on dit? Oui, une concurrence saine. En plus, vu son état d'esprit et le mien, franchement, ça s'est très très bien passé. Et, on faisait même chambre ensemble, donc c'est que ça se passait bien. Et puis non, franchement, on a passé de belles années. Alors, quelles peuvent être les qualités de Jean-Daniel?
Bah, comme je disais, là, son état d'esprit, quoi, le fait que c'est toujours, il arrive toujours joyeux avec le sourire à l'entraînement, déjà c'est important. Et même dans la difficulté, ou même les fois où c'est moi qui jouais et pas lui, bon, il restait d'humeur égale et vice-versa. Donc c'est déjà une grosse qualité d'être comme ça. Alors, souvent les gardiens ont leur spécificité. Qu'est-ce qui peut faire celle de Jean-Daniel par rapport à vous ? Bah, disons qu'à l'époque, on avait une petite différence d'âge quand même. Donc elle se faisait peut-être de ce côté-là. J'étais peut-être un peu plus calme que lui à l'époque. Même si à son âge, je devais être aussi fougueux que lui. Mais voilà, après, je veux dire, on a un peu des caractéristiques où on n'est pas très grand, donc on essaie de compenser sur le terrain par l'anticipation, par l'explosivité, par les réflexes et tout. Donc c'est des qualités qu'il avait déjà à l'époque. Est-ce que vous avez un souvenir marquant ? Non, bah, le fait de faire chambre ensemble dans tous les déplacements, toutes les mises au vert. À l'époque, la console de jeu fumait dans la chambre. Et il y avait de grosses batailles, que ce soit au tennis, le beach volley, je crois aussi. Enfin bon, c'était bien. Franchement, on a passé de bons moments et ça restera de bons souvenirs. Alors après, vos chemins se sont croisés. Vous êtes parti chacun de votre côté. Vous êtes revenu à Bastia ça, après pas mal d'années. Un petit peu votre ressenti et votre activité maintenant. Ça faisait quand même 19 ans que j'étais parti de Bastia et je retrouve cette année le centre de formation où je m'occupe des jeunes gardiens. C'est une nouvelle expérience parce que j'avais connu 7 ans les pros à Nice et de retrouver les jeunes et en plus à Bastia, c'est un grand plaisir et même un honneur pour moi. Donc je vais essayer d'apporter ce que j'ai pu vivre quand j'étais gardien et j'espère que les jeunes vont progresser comme ça. Alors il y a ces 2 années donc passées à Nice et ensuite tu es prêté à Rouen, c'est ça ? Ouais, voilà, je suis prêté à Rouen parce que en Ligue 1 je me retrouve 3e gardien avec Nice. Donc du coup du 1er janvier au 30 juin je pars à Rouen en National où je fais tous les matchs retour, et donc les 19 matchs. Et en fin de saison on monte en Ligue 2. Ouais. Après ils m'avaient proposé de rester. Mais ils ont fait pas mal aussi de chamboulements et tout ça, donc ils m'avaient proposé de rester, mais j'avais pas senti le coup et j'ai préféré ne pas rester, alors que bon, après finalement ça m'a donné tort, puisque la saison d'après, Rouen, ils avaient pris Boumnigel et Sopalski, c'était justement Sopalski qui avait fait toute la saison, qui était deuxième gardien à la base, donc voilà, après c'est des choix de carrière qui font que, mais j'ai préféré pas rester. Oui. Tu retrouves le Sud ? Voilà, je retrouve le Sud, et Cannes. Voilà, Cannes, où il me restait donc un an avec Nice, où on s'arrange avec Nice, et je me retrouve à Cannes, où je passe 3 saisons. Alors c'est vrai que la première année, on rate la montée de 2 points, je crois, un truc comme ça, où il y avait eu un peu de soucis avec les supporters, enfin des points enlevés, des trucs. L'année d'après, un petit peu galère, on se sauve, et la dernière année, où par contre, on fait une très bonne saison, mais moi, à cette époque-là, cette année-là, je me fais une rupture du tendon d'Achille. Voilà, au mois de novembre, je me fais une rupture du tendon d'Achille, et je rate 4 mois et demi. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais je pense que c'est important pour la suite de ma carrière et ça a permis un petit peu de faire un point et entre guillemets un petit bilan de mon début de carrière. Et ça m'a beaucoup servi. Donc après j'ai fait les 4-5 derniers matchs et pareil, on rate la montée d'un point. Et donc après je pars. Quoi. Après tu pars, donc on te retrouve à Angers, voilà, en 2006. Voilà, Angers où le club est repris par Willy Bernard et Olivier Piqueux et Jean-Louis Garcia. Donc voilà, il y a un club avec une belle histoire, une grande histoire, et ils reprennent le club. Et donc Jean-Louis Garcia, que je connaissais très bien, et Olivier Piqueux aussi pour avoir joué contre lui, me demande de venir. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Angers, j'avais souvent joué contre, donc du coup, c'était un club vraiment où il y avait une ferveur, il y avait des choses qui sont attirantes quoi, pour un footeux. Et je suis parti là-bas. Et ça s'est bien passé, puisque ouais. 17 minutes, t'as une grosse saison. Ouais, en fait, voilà, déjà la première année en National, on monte. Mm-hmm. On monte en Ligue 2, alors qu'il y avait eu. Il y a dû avoir au moins une quinzaine de recrues, donc c'est vraiment reparti à zéro. On monte en Ligue 2, donc ça c'était ma 4e montée, donc à 27 ans, donc c'est vrai que c'était bien. Un rapport de suite génial avec les gens, avec le club, avec tout ça. Et donc l'année 2007-2008, justement, voilà, on fait la saison en Ligue 2. Je,
où je finis meilleur gardien de Ligue 2 aux étoiles France Foot et nommé au trophée UNFP pour les Oscars du foot. Donc c'est vrai que c'est une année, voilà, et c'est pour ça que je dis que le fait d'avoir eu cette blessure m'a permis aussi de un peu faire un point, de me reprendre un petit peu et de vraiment vouloir retrouver ce niveau de Ligue 2 et ce haut niveau que j'avais connu par rapport à l'équipe de France, par rapport à tout ça. Et du coup, j'ai eu la chance de le faire là-bas. Pareil, j'ai eu des très très bons rapports et avec Angers, avec les supporters, avec les dirigeants, avec tout ça. Je re-signe aussi cette année-là pour 2-3 ans en plus. Donc vraiment, j'ai même pas attendu la fin d'année pour essayer un peu de faire jouer parce que ça n'a jamais été mon style un petit peu de faire jouer monter les enchères et tout ça. Non, au mois d'avril, j'ai re-signé pour 2-3 ans de plus. J'étais vraiment dans un club familial qui me correspondait et j'étais vraiment au top. Donc c'est vraiment une année, ma meilleure année. Par contre, après, il y a l'année 2009-2010 qui est plus compliquée. Après, c'est vrai, quand on est dans un club depuis un moment où c'est vrai que j'ai connu la première année, la montée, la deuxième année, les trophées, les trucs, voilà. L'année d'après, on est dans les trois premiers jusqu'au mois d'avril. Et après, c'est la dégringolade où on finit 5-6e et tout le monde passe un peu au travers, dont moi. Et d'ailleurs, si j'avais un match à refaire dans ma carrière, c'est un match contre Lens en 2009, vers avril, où voilà, dans les arrêts de jeu, je relâche un ballon et que si on gagnait, on passait premier. Et ça a été un petit peu la dégringolade après ça. Donc c'est vraiment le match de ma carrière que j'aurais aimé refaire et qui me laisse vraiment beaucoup de regrets. Donc cette année-là, après la 2009-2010, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a un gardien qui arrive où on ne s'entend pas du tout et sans parler de moi personnellement, parce que moi je suis qu'un joueur et je dois m'adapter aussi aux situations, mais par rapport aux valeurs du club et tout ça, par rapport à ce que j'avais connu, même si le club ne m'appartenait pas et aux valeurs du club et tout ça n'était pas du tout dans l'état d'esprit, et ça a été un petit peu compliqué aussi parce que voilà, j'ai perdu ma place au détriment de ce gardien qui était un très bon gardien, il n'y avait rien à dire, c'était pas là le problème. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu compliqué et je l'ai mal vécu et je le dis sans problème, c'est un petit peu mon ego de merde qui a fait que je suis parti dans des trucs que j'aurais pas dû et je m'en suis d'ailleurs excusé après avec le temps avec Jean-Luc Garcia, avec Monsieur Piqueux, d'ailleurs eux-mêmes à la fin de saison, parce qu'après j'avais fait aussi quand même, cette année-là je crois que j'ai fait quand même 15-20 matchs, ils m'avaient remis sur les 10 derniers matchs et ils m'avaient vu eux-mêmes à la fin pour me dire qu'ils s'excusaient d'avoir fait un tel choix entre guillemets. Donc voilà, je veux dire, tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de souci. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que j'étais pas trop fautif à 100% sur le coup. Mais je me suis moi-même excusé, même par rapport à Olivier, où j'ai encore des contacts en ce moment. Je me suis moi-même excusé par rapport à cet ego mal placé qui a fait que ça a peut-être plombé quelque chose. Et voilà, donc voilà, à partir de là, j'avais décidé de partir. Eux voulaient me garder, un deuxième gardien. Du coup, tu traverses la France, tu te retrouves à Dijon. Voilà, en fait, voilà. Eux, ils voulaient me garder un deuxième gardien. Il me restait 2 ans de contrat. Et ça faisait 4 ans. Et dans le foot, maintenant, c'est difficile de faire autant de temps parce qu'on se rappelle simplement des bons moments. Et dès qu'on commence à rater un dégagement ou quoi que ce soit, de suite, c'est complexe. Donc, du coup, j'ai l'opportunité de partir à Dijon, voilà, où ben justement Greg Maliki fait le chemin inverse. Greg Maliki est à Dijon. Et l'histoire, elle est belle parce que le dernier match avec Angers, c'est donc de la saison 2009-2010, le dernier match en mai, c'est Dijon-Angers. Donc moi, avec Angers, je vais à Dijon. Et donc moi, je connaissais bien Patrice Carteron pour avoir joué avec lui à Cannes. Et je connaissais bien l'entraîneur des Gaules, Zakaria Alaoui, qui était mon entraîneur des Gaules à Rouen. Et ils me disent, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et je dis, moi, je veux partir. Et donc, ils m'ont dit, écoute, on se tient au courant parce qu'on aimerait, un nouveau gardien. OK. Et du coup, le truc fait que ce dernier match est un Angers-Dijon. Donc, je fais le chemin vers Dijon. Greg fait le chemin vers Angers. Et premier match de championnat, Dijon-Angers. Donc, du coup, je me retrouve avec Dijon contre Angers. Et donc voilà, l'histoire est belle parce que donc moi la saison se passe à merveille où je fais 35 matchs, j'ai raté 3 matchs par rapport au simplement où j'ai eu un problème et j'ai dû être hospitalisé, mais je fais toute la saison avec des joueurs comme Botteac, avec Mandan, avec Sankaré, avec Cornier. Et sur 15 recrues, je suis la seule recrue qui avait déjà joué en Ligue 2. Donc du coup voilà, j'ai quand même un rôle important à jouer et tout ça, et donc je veux dire, je me retrouve dans un club qui avait les mêmes valeurs que Dijon et tout, donc je suis vraiment
suis vraiment comme l'est et ça se passe vraiment, vraiment super bien. Et on monte en Ligue 1, mais on monte en Ligue 1 sur le terrain d'Angers. Puisque voilà, donc c'était vraiment, c'était une histoire où, on va dire, un peu, entre guillemets, la boucle est bouclée. Et voilà, je me retrouve avec Angers où ça s'était mal passé l'année d'avant. Finalement, j'arrive avec Dijon, on monte sur le terrain de... Donc voilà, c'est une histoire un peu... voilà. Mais ma deuxième année, donc après en Ligue 1, où je dois prolonger, où tout se passe bien, où on me dit, tu vas être titulaire, on va te prolonger, nanana. Où pendant toute la préparation... Patrice, le président, où je mange avec eux, où ils s'entendent avec mon agent, où je dois prolonger, où j'ai des garanties pour être titulaire, même si les garanties dans le foot, il n'y en a aucune. Je me retrouve après un match en Ligue 1, après le premier où on perd 5-1 à domicile et où tout le monde passe au travers, je me retrouve un peu blacklisté. Quoi. Donc voilà, je me retrouve mis sur le côté. Après, je me retrouve sur le banc 4-5 matchs, mais après, je me retrouve carrément en réserve. Et c'était un petit peu dur à vivre. Alors là, autant à Angers, j'assume certaines choses, autant là du tout, et encore me pose des questions en ce moment, parce que moi j'avais le soutien des gens. Et ça a été difficile à vivre parce que j'avais rien fait pour mériter ça. Et c'était vraiment très 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 compliqué, quoi. Et au mois de janvier, j'ai été mis à l'écart. Une semaine pour un peu essayer de me faire craquer parce que je recevais des lettres d'avertissement, des trucs, alors que je me comportais bien. Et c'était très compliqué. Et du coup, moi, au mois de janvier, j'ai décidé de moi-même, je le dis bien de moi-même, de m'entraîner avec la réserve. Donc j'ai signé une décharge, comme quoi je gardais mes avantages pro, mais que j'acceptais de m'entraîner avec la réserve, parce que normalement, je n'avais pas le droit. J'acceptais de m'entraîner à la réserve et qu'il n'y aurait aucun souci. Je faisais la saison comme ça et que je n'avais pas envie de me retrouver troisième, quatrième gardien, de temps en temps ramasser les plots ou quoi, parce que voilà, j'ai participé à l'aventure historique de la montée en Ligue 1. J'ai été apprécié, j'ai été élu par tous les supporters du club la première année, meilleur joueur du club et tout, donc je me retrouve comme ça. Donc j'ai préféré moi-même, pour ne pas faire d'histoire, à jouer avec la CFA2. Et justement, c'est tout ce... Enfin, jouer quand c'était à l'extérieur, parce qu'à domicile, le staff pro ne voulait pas que je joue. Parce que justement, j'avais les supporters qui me soutenaient, donc ils ne voulaient pas... Voilà, bon, c'était un peu compliqué, mais j'ai tiré comme ça jusqu'à la fin de saison. Après, je suis parti. Et quand ils ont été mis de côté, Carteron et tout le reste, le staff, et que c'est Olivier Dalloglio qui est maintenant, et avec son nouveau staff qui a repris, c'était avec eux que j'étais en réserve, moi. Donc du coup, ils m'avaient demandé aussi de rester en deuxième gardien. Il voulait me faire signer un deuxième gardien. Mais. Tu préfères prendre de large. J'ai préféré prendre de large. Et j'en avais marre justement de ce foot business et qui ne sont pas dans mes valeurs. Et parce que moi, j'ai toujours fait du foot par plaisir. De partout où je suis passé, j'ai toujours gardé une bonne image. Parce que moi, le foot, je veux dire, je suis un chanceux. Il y a des millions de personnes qui auraient aimé être à ma place. Et du coup, voilà, je sais que je ne fais que du foot. J'ai la chance d'en vivre, de ma passion. Et c'est que du foot, quoi. Donc, je respecte. J'ai toujours respecté les gens, les supporters, les trucs, parce que, comme je dis, il y a des gens qui vont économiser des années entières pour se payer un abonnement, alors que nous, voilà, on a des privilèges. Donc du coup, j'ai toujours été dans ces valeurs-là. Et le fait de vivre ça, ça m'a fait perdre un peu tout ce côté-là. Et j'ai arrêté, j'ai préféré arrêter. J'ai eu des propositions l'été. J'étais dans les listes des gardiens pour signer à Sochaux. Il y avait ou Pouplein, ou moi, ou Rioux. Et ils avaient pris Pouplein. Et du coup, à partir de là, j'ai eu des contacts à Bourg-Péronnat, ça avait des clubs nationaux, tout ça, mais j'ai préféré arrêter. Voilà, j'ai préféré partir ne très pas. Loin. Ouais, alors dans un premier temps, je suis resté 6 mois sur Toulon. J'entraînais les gardiens et je m'entraînais avec Toulon le LAS. Ensuite, j'ai eu des opportunités donc, au mercato d'hiver pour signer au Paris FC. Je devais y aller et finalement. J'avais plus envie. Voilà. Donc, je suis parti au mois de février aux États-Unis. J'ai fait des essais aux États-Unis. Je me suis entraîné avec Philadelphie, avec Orlando pendant une semaine. C'était une expérience, voilà, parce que moi, je voulais vraiment bouger, quoi. Et je suis parti là-bas. Je n'ai pas pu signer parce que, bon, déjà, par mon gabarit, je fais 1m81 et là-bas, c'est des grands gabarits. Donc, je n'ai pas pu. Et puis après, bon, peut-être un premier niveau ou quoi, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas signé.
Et j'ai eu l'opportunité de partir à La Réunion où je suis allé là-bas aussi pour entraîner les gardiens, entraîner les jeunes du club, les jeunes gardiens. La JSSP. JSSP, voilà, la JS Saint-Pierroise, voilà, le club où il y avait voilà, les Cigognes. Voilà, là où justement Djibril Cissé était parti. Là. Je suis parti là-bas et ça s'est très bien passé au tout début, mais quand on va là-bas, il faut pas avoir, on va dire, de CV. Parce que ça ne leur plaît pas. Ils sont assez fermés dans leur truc. Alors, ça a été une très bonne expérience. Il ne faut pas avoir de CV, il ne faut pas avoir tout ça, parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on leur, entre guillemets, qu'on les aide. Voilà. Ils sont dans leur truc et ils veulent rester dans leur truc. Donc du coup, moi, qui avais mes valeurs de partage, d'échange, de tout ça, c'était un peu compliqué. Plus d'autres problèmes extrasportifs qui ont fait que c'était pas facile. Donc du coup, à partir de là, j'ai arrêté. Carrément, j'ai dit stop, j'arrête tout. Je reste à La Réunion et j'ouvre un centre de bien-être, en fait, où j'avais passé en même temps des formations de... Alors c'est un peu marrant parce que moi et mes mains, ça a toujours été une grande histoire. Je passe une formation de ma sœur, donc je fais tous les massages de bien-être. Et je fais du coaching minceur, donc ça va du rééquilibrage alimentaire à plein de manipulations également, de massages. Des coachings sportifs, voilà. Et j'ai ce salon en plein centre de Saint-Pierre où ça marche très bien, où je travaille avec une collègue qui, elle, fait de l'esthétique. Voilà, j'ai mon épouse de l'époque qui était coach sportive aussi. Donc voilà, on a ce petit truc et ça marche bien, mais... Il te manque quelque chose ? Voilà, il me manque quelque chose. Une fois que tout ce mal-être, tout ce côté business, ça qui sort, parce que moi, je fais du foot depuis que j'ai 5 ans, j'ai la chance de faire du foot. Une fois que tout ce côté-là sort, je me remets à vouloir revenir au ballon, quoi. Et donc, janvier 2015, je réactive tout ce que je peux. Mais je voulais vraiment venir sur une île, en fait. Et moi, par mes origines corses, j'ai souvent joué contre des clubs corses, le Gaz, la CA, Bastia, enfin, le Sporting, pardon. Je veux vraiment revenir en Corse. Et donc, j'ai beaucoup de contacts, dont des présidents... du Sud, du Gallia, de Furiane, de... Voilà. Et un appel de Stéphane Ross. Voilà, en fait, j'étais même prêt à venir jouer en DH, à revenir en DH, à apporter tout ce que je peux, mais dans le foot, quoi. Par rapport à mes valeurs, par rapport à tout ça, j'avais envie de partager et d'apporter ça. Et j'ai un appel, pas de Stéphane au début, mais du Sporting. Sporting Toulon. Et où on m'appelle pour jouer, pour après avoir une reconversion en CFA2, ils voulaient même un projet. Donc, comme c'était la seule opportunité que j'avais sur le moment, j'ai dit oui, quoi. J'ai dit oui, et le lendemain, j'ai Stéphane qui m'appelle et qui me dit, écoute, voilà, si on peut te proposer le rôle de troisième gardien et en même temps d'entraîneur des gardiens, il n'y a pas de souci. Vous connaissez déjà Stéphane ? Non, je ne connaissais pas du tout. Non. Et moi, je n'ai même pas négocié, même pas de truc. J'ai dit, envoie le document. Je fais mes valises. Ah ouais, envoie le document. Moi, il n'y a pas de souci. C'est où, quand, comment ? Il n'y a pas de souci. Pour un gardien pro, et même pour un joueur pro, c'est le poste rêvé, quoi. Je veux dire, je pouvais remettre les gants. Je pouvais rejouer. Je peux m'entraîner. Je peux, malgré tout, re-signer un contrat pro. Et je suis dans la transition de ma fin de carrière. Maintenant, j'ai 36 ans, mais je peux faire entraîneur des gardiens, quoi. Donc, des gardiens pro. Donc, pour moi, c'était le truc rêvé, quoi. J'ai même pas discuté de quoi que ce soit, mais voilà, quoi. C'est un truc qui m'est tombé du ciel et une bouffée d'oxygène, quoi. Et t'es bien accueilli ici. Je l'avais dit lors d'une interview à France Football en début d'année, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Je pouvais pas rêver mieux et je me retrouve... Parce que quand j'étais footeux, j'avais toujours un peu l'impression, et on me donnait aussi l'impression, d'être un peu spécial, enfin, entre guillemets. Parce que quand j'étais sur un terrain, j'étais d'une certaine façon, qui fait que j'étais assez... je suis assez... Vif. Vif, tête brûlée. Et quand j'étais en dehors, je suis quelqu'un de très réservé, dans mon coin. Je me mets dans mon coin dans le vestiaire, je me mets dans... Et j'ai horreur de me mettre en avant. Et en fait, un article avait été fait à Angers, et j'avais trouvé ça... L'image était belle, c'était
Docteur Pado, Mister Vanny. Ah, oui. Voilà, donc du coup, c'était vraiment l'image que je veux donner, quoi. Et donc, j'avais un peu cette image de voilà, ces valeurs, un petit peu. Mais moi, je me demandais d'où ça venait, quoi. Parce que j'adore le partage, l'échange. Quand t'es footeux, normalement, il faut partir un peu dans le business. Quand on joue dans ce niveau-là, partir dans ça, le rapport avec les supporters, avec les trucs, je veux dire, c'est un peu, mais c'est un deuxième temps et tout. Et moi, j'avais besoin de ça, quoi. Moi, à Angers, j'étais le seul joueur à avoir un fan club. Mais je veux dire, rien qu'à en parler, j'en ai les frissons parce que c'est moi, c'est ça qui fait que. Et quand on me demande maintenant qu'est-ce qui reste de ta carrière, c'est le rapport avec les gens. C'est pas mon meilleur trophée, les cinq montées, les sélections en équipe de France avec Trezeguet, Henri, Domenech, Landreau, tout. C'est pas ça, même si c'est des super souvenirs. C'est l'échange, c'est les gens. Quand je vais au match là, il y a des gens, ils m'appellent sur le bord du terrain, pas d'autre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça le foot. Pour moi, c'est ces valeurs-là. Et j'arrive ici et je retrouve exactement ça. Et je comprends. D'où viennent mes valeurs. C'est pour ça que, pour moi, je veux dire, c'est l'endroit, le poste, le lieu, le rêver. Tu t'occupes des gamins aussi. Voilà, et moi, c'est moi qui ai pris le devant et qui ai appelé Stéphane, quand donc, on s'était mis d'accord. Alors déjà, parce qu'il faut revenir un petit peu dans le milieu, donc par rapport à un compte Facebook que j'avais, je fais un petit peu, entre guillemets, une appel d'offres par rapport à un sponsoring pour des gants, des trucs comme ça et tout. Et donc, du coup, je m'entends avec RG Keeper, enfin GBS. Et justement, ces personnes qui s'en occupent sont du même village que Stéphane. Et donc, du coup, moi, je m'arrange avec eux. Et donc, du coup, après, j'arrive à placer les trois gardiens. Et je fais des partenariats avec le club et tout. Et donc, j'appelle Stéphane pour lui dire. Et en même temps, je lui dis, Stéphane, je veux ouvrir. En fait, je veux aussi m'occuper des gardiens. Donc, en même temps, je m'occupe des jeunes gardiens, un peu comme mercredi une école de gardiens. Voilà, mercredi après-midi. J'ai englobé là-dedans Piche et Jeff. Parce que pour moi, c'est important que les trois gardiens pros s'occupent des jeunes. Voilà, parce qu'on a tous, nous, rêvé. Moi, je suis issu du centre de formation de Martigues. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec Eric Durand, avec Franck Ravio. À l'époque, quand j'étais au centre, c'était l'entraîneur des Gaules, c'était Christian Delaché. Ouais. Donc, du coup, voilà, moi, je suis issu du centre de formation. Et pour moi, c'est important que les jeunes aient les gardiens pros qui s'occupent d'eux. Donc là, tous les mercredis, on y va et on fait ça. Et puis, ça m'a permis aussi de voir certains gardiens. Et là, à chaque fois qu'il y a des vacances ou qu'il n'a pas école, je fais venir avec nous dans le monde pro un peu pour voir, quoi, même s'il n'a que 17-18 ans, parce que je trouve qu'il a beaucoup de qualité. Un petit du club, Thomas, qui vient, qui s'entraîne avec nous et qui fait les mêmes choses que nous, qui s'entraîne avec nous. Et je trouve que c'est important pour le suivi des gardiens et pour montrer aussi aux jeunes qu'on les regarde. Et que voilà, quoi. Après, moi, c'est ma façon de voir les choses et je pense que ça rentre aussi bien dans les valeurs du club, dans l'image du club et dans les projets du club. C'est important dans un petit club comme le CAB qui fonctionne, qui est très familial, de mettre ça en place et de montrer que voilà. Alors moi, je m'occupe des gardiens et je trouve que comme je vous dis, moi, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Tu as eu une petite parenthèse beach soccer aussi. Ouais, j'étais en équipe de France de beach. Ouais, j'étais en équipe de France de beach parce 2012, que c'est ça. Ouais, quand je me suis retrouvé, voilà, parce qu'en fait, mon agent, après Dijon. Voilà, toute ma carrière, mon agent, ça a été Jean-Marie Cantona, donc le frère d'Éric. Voilà, avec Fabien Erani et au début. Avant qu'ils partent dans la télé-réalité, c'était Pascal Olmette. Voilà, ils étaient ensemble. Voilà. Donc, ils étaient ensemble et moi, c'était mon agent avec Pascal pendant 3-4 ans. Et du coup, je me suis retrouvé au chômage. Mais moi, le beach, enfin, j'adorais ça parce que c'est des trucs où quand tu es gardien, ça n'arrête pas. Voilà. Et comme j'étais au chômage, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc, ils m'ont mis un rapport. Enfin, je veux dire, ça a été simple de rentrer dedans, puisque moi, j'étais directement avec Jean-Marie et tout. Donc, je me suis retrouvé à faire une tournée. Mais ça m'a montré aussi que j'ai bien fait de couper avec le foot, parce que j'ai pris un carton rouge. Enfin, je me suis battu sur le terrain et tout. Bon, voilà, il fallait vraiment que j'arrête avec tout ça, parce qu'après, ça partait dans les trucs. Je voyais que le négatif. Et alors que c'est quelque chose de très festif et que c'est génial, quoi. Je veux dire, une équipe de France, le truc. Un match contre l'Ukraine, on avait perdu et tout, j'étais parti. Et du coup, c'était là, je me suis dit, on va tout arrêter et on va prendre du recul et voilà, quoi. Alors, on voit quand même qu'au CAB, tu as beaucoup de boulot. Quand tu te poses un peu, quelles sont tes sources de distraction, tes loisirs? Je suis très casanier. Après, j'ai la chance de très bien m'entendre avec Stéphane et d'avoir rencontré quelqu'un de, pour moi, je le dis, et
j'ai pas envie de dire, quelqu'un comme Nico Gennarelli, qui est pour moi, et alors il va rigoler quand il va entendre ça, mais pour moi c'est un petit peu mon papa, quoi. Parce qu'à chaque fois il me dit des trucs, et on rigole, il me dit ah, je suis ton papa, mais pour moi c'est vrai qu'il m'a permis beaucoup de choses. Donc sans rentrer dans les détails, il m'a permis beaucoup de choses, il me permet de comprendre beaucoup de choses et de voir beaucoup de choses. Alors moi je garde mon expérience, je garde plein de choses, et voilà, j'ai la chance de tomber sur une personne comme ça et qui, moi, je veux dire, on est en contact tous les jours, on reste tout le temps en contact et on est tout le temps ensemble. En plus, on a la même façon de voir les choses et je dis voilà, je suis très souvent avec lui et il m'a, voilà, donc je le remercie parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup, il m'apporte beaucoup, que ce soit même Stéphane, Antoine, enfin tout le monde, mais c'est vrai que lui c'est une personne qui est arrivée au bon moment et c'est pour ça que je me dis que je suis vraiment au bon endroit au bon moment et qui me permet de faire la transition, on va dire, professionnelle, pour comprendre ce que c'est être dans un staff et tout ça, parce que lui, ça fait des années qu'il y est, et aussi pour un plan un peu plus personnel, ou voilà, donc c'est vrai que c'est quelqu'un de très important pour moi, donc on est tout le temps ensemble, et très souvent, et sinon, voilà, je veux dire, quand on fait quelque chose, ben, par exemple, on va au cinéma tous les deux, on va se promener, on va boire un coup, on fait des choses simples. Voilà, de temps en temps, on va boire un coup le soir et tout ça, mais on fait des choses simples. Je rentre à Marseille voir ma famille, mais c'est vraiment des choses très très simples où voilà, je me mets à la maison, je regarde un peu la télé et je suis pas quelqu'un, et je l'ai toujours été, je suis très casanier et voilà, donc je profite vraiment des bons moments, que ce soit un petit resto, des choses comme ça, ou voilà, les choses simples de la vie. Comme je suis quelqu'un d'entier, de très perfectionniste, quand on est comme ça, on a toujours l'impression qu'on vit que des mauvaises choses. Et on se dit, putain, mais il n'y a jamais rien qui va. Et j'ai appris justement à accepter d'avoir les bons côtés, les petits côtés. C'est-à-dire que rien qu'un bon verre de rouge, et ben, c'est un petit plaisir qui fait qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Et du coup, ben, c'est pour ça que d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai arrêté le foot, que ce soit la Réunion, ici, tout ça, plein de choses, fait que je profite de tous les bons petits moments, de tout ça, et j'arrive un peu, voilà, parce que quand j'étais joueur, j'étais très perfectionniste, et j'ai jamais trop profité, entre guillemets, de ma carrière. Alors, voilà. On arrive presque à la fin de la saison, la fin de saison est en point de mire. Le CAB est en quelque sorte à la croisée des chemins, soit il reste en national et il retourne au statut amateur, soit, par bonheur, il monte en Ligue 2 et il reste professionnel. Comment tu vois la suite, toi, personnellement ? Alors moi qui ai eu la chance de faire 5 montées, d'avoir été dans 6 clubs et d'avoir fait 5 montées, une montée avec chaque club sauf avec Cannes, mais bon, on a raté la montée à chaque fois de 1 ou 2 points. En fait, c'est pour ça qu'ils t'ont pris. J'espère, ça serait bien. Mais moi, je suis quelqu'un de... Alors après, ça, c'est des mots un petit peu bateaux, mais quand on est en plein dedans, on sait ce que ça veut dire. Je suis quelqu'un de très, très, très compétiteur. C'est-à-dire que moi... Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de truc. Moi, je rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Il n'y a pas de... il faut jouer le nul, le truc. Donc, c'est pour ça que Stéphane et Nico, des fois, ils me disent oh, calme-toi un peu, parce que voilà, quand on a fait des matchs, je vais un petit peu. Ah, ouais, mais non, il faut avoir l'analyse juste pour. Voilà. Et donc, moi, voilà, quoi, je veux dire, il nous reste 9 matchs, on est bien placé. Donc, moi, voilà, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je vais accepter les choses si elles doivent arriver. Et après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très ouvert, donc je vais comprendre quand on va me l'expliquer. Bon, un point, c'est bien, ou d'avoir perdu, c'est peut-être... Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de voilà, très, très ambitieux, très compétiteur. Donc pour toi, tu vois plutôt le haut que... Ah ouais, moi, je vois le haut. Voilà. Moi, à part la montée, alors je le dis sans prétention et avec beaucoup d'humilité, parce que c'est pas moi tout seul qui l'ai fait, hein, mais à part la première année où on est descendu, quand j'ai commencé en pro avec Martigues à 17 ans, j'ai toujours joué des hauts de tableau et donc pour moi voilà je peux pas envisager autre chose quoi et que ce soit avec Piche avec Jeff je suis toujours dans ce discours là que ce soit aux entraînements à toujours motiver avancer et maintenant aussi avec les joueurs où je suis toujours derrière eux pour être vraiment dans cet esprit de compétiteur et voilà et pour leur faire comprendre que en gros il y a que les gagnants qui ont raison quoi et on peut être un mètre en retard, on peut faire une touche ratée, on peut rater une sortie aérienne, on peut rater une passe. Si on gagne, ça passe inaperçu. Par contre, si on perd, et voilà. Et il faut arriver à comprendre ça, parce qu'on ne peut pas faire le match parfait tout le temps. Mais si on arrive à comprendre et à se comprendre sur le terrain,
on va pouvoir compenser par d'autres choses. Quand on n'arrive pas à être bon techniquement, on va compenser par de l'agressivité. Quand on n'arrive pas à être dans l'agressivité, on va compenser. Voilà, il faut arriver à se comprendre, et c'est comme ça être compétiteur. C'est toujours avoir cet esprit de vouloir gagner par n'importe quel moyen. Entre guillemets, en trichant un peu, voilà, ça fait partie du truc, quoi, et en bluffant, un truc, voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un de très optimiste, de très positif, et moi, je vois le haut tout le temps, quoi.